Alors, vite fait, parce qu'on va me le piquer. Alors, j'ai trouvé un titre, Les gardiennes du temple. Parce que c'est vrai que des fois, on a souvent l'impression que on est là pour veiller sur tout ça pendant qu'il n'y a personne d'autre et rappeler les chefs s'il y a le moindre problème. Bon, à présent, le problème, c'est qu'avec les garçons, ça fait les gardiens du temple et tout de suite, ça sonne beaucoup moins bien. Il est conscient, je peux aller le voir. Oui. Comment il s'appelle? Je suis cousin Jonathan. Jonathan, tu fais la sieste? Je pensais qu'il mourra, Jonathan. Je te présente Monsieur Pourrière, qui est l'infirmier général de l'hôpital. Donc c'est le grand chef de toutes les infirmières. Tu vois, quand elles te disent que moi je suis la râleuse qui ferme les portes, la chef du service, et lui il est encore au-dessus. Te voilà triste mémé. C'est le temps? Qu'est-ce qu'il y a? Un peu tout, ouais. Oui, mais justement. Oui, mais il faut du temps. Et ça va bien se passer, t'inquiète pas. Hein? T'as pas arrêté de tousser, t'es un peu plus fatigué que les autres jours. On y arrivera, t'inquiète pas. Allez. Un petit peu de courage, ça a marché. Hein? Ça va se passer, tu vas voir. Mais, on te l'a dit, Jonathan, ça sera long, mais on va y arriver, d'accord? Hein? Tu vois, on t'a jamais menti. On te l'a dit, ça s'est toujours passé comme on te l'avait dit. On ne te mentira pas. Mais c'est long, c'est vrai. Allez, va. À tout à l'heure, Jonathan. Maman ne va pas tarder à arriver. Demi-heure, elle est là. Tu as envie de parler? Eh oui, bon, mais ça, il faut qu'on voit avec les médecins, parce que des fois, bon, là, oui, c'est sûr que tu es un peu en difficulté pour parler. Des fois, vers certains trachéomes, il faut voir comment ça se passe, quel type tu as de trachéo, etc. On peut mettre des systèmes après, un peu plus tard, de canules parlantes. Je sais pas encore, hein. Là, tu viens d'arriver, on va voir. T'inquiète pas, les infirmières ici, elles ont l'habitude. On arrivera, tu vois, on arrive à communiquer tous les deux. Ça va? Ça marche? Bon. T'as très soif. Bon, on va voir ça. De toute façon, il y a le médecin anesthésiste qui va venir te voir. Hein? À tout à l'heure. Faudrait lui faire une écho des membres inférieurs quand même. Je vois qu'il a des œdèmes, des malléoles là. Bien qu'il ait les mollets souples, mais. D'accord. Bon, allez, on va t'installer sur des bras mieux faits. Et je vais regarder ton dossier. Là. D'accord. Bon. Allez. On a toutes les données, on va s'occuper de ça. Quand c'est qu'on va t'enlever la trachéo? Oh, écoute, si tu es complètement sevré, on risquerait de pas trop tarder. Mais tu nous laisses le temps de voir un peu, puisqu'on ne te connaît pas encore, que tu viennes juste d'arriver 24 ou 48 heures pour voir comment ça se passe, qu'on ait le temps de se faire une idée. Hein? Les parents et ce jeune, ils ont beaucoup d'espoir. Hein. Ça va être dur, la chute. Pas affirmé qu'il remarchera. Hein, ça. Personne ne peut le dire. Toujours.
travail. À propos de la respiration que... Qui sent la respiration dans les oreilles, ouais. Oui. Je l'ai vécu avant lui, ça. C'est un tympan percé, oui. Ça veut pas dire non plus qu'il est un tympan percé, ça veut dire aussi qu'il reprend que ses trompes de stache qui n'avaient pas eu d'air depuis quelque temps, ouais, se sont réimprégnées. J'espère que vous avez raison. Enfin, de toute façon, l'ORL vient cet après-midi, il m'a dit qu'il passera en début d'après-midi. D'accord. Hein? Okay. Bon, à part ça, alors. Pour la canule, comment ça se passe? Hein? C'est pas mal. C'est pas mal, oui, d'accord. Mais, tu allais dire? Vivement qu'il n'y ait plus rien. Vivement qu'il n'y ait plus la canule? Qu'il n'y ait plus rien. Qu'il n'y ait plus rien, ah, eh oui, eh oui. À chaque fois qu'il passe une marche... Il veut l'autre. Eh oui. Il ne profite pas de celle qui vient de passer. Voilà. Mais tu sais, quand on monte un escalier, comme toi, là, tu as vu toujours la marche dessus. Mais il ne faut pas le monter trop vite parce qu'il n'y a rien de pire que de la redescendre. Ouais. Alors nous, on préfère aller doucement parce que par expérience, on sait que si on va trop vite et qu'on est obligé de redescendre, c'est terrible pour le moral. Alors tant pis, il faut patienter un peu et monter doucement, mais sûrement. D'accord ? Oui. Je vais regarder quand même dans le dossier. Bon allez, mon cher Jonathan, on y va. Donc, qu'est-ce que t'as chanté comme chanson, Payet? Ah! J'ai pas le droit, moi? Non, non. Ah non, c'est rien que pour Jean! Ouais, mais ce matin, il n'y a pas grand monde, là, aussi. Il n'y a même personne, tu veux dire. Il n'y a même personne dans les soins. Et bon, on le sait, les troisième mi-temps, au rugby, hein, on sait que. Hein? Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai? On mange, on digère, et on va au lit. Oui, et je vais te croire! Tu veux que je te fasse boire pendant que tu tousses? Non! Allez! Je te recrache tout dessus. C'est dégueulasse. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il chante? Qu'est-ce qu'il chante? Tu vas voir si je suis chiante. Au moins cette fois, tu l'as remarqué. Tu vas voir si je suis chiante, Jonathan. Tu vas voir. T'as remarqué qu'il y avait des soignants chiens, des soignants sympas. Tu vas voir. T'as fait le tri. Ah mais c'est pas vrai ce que je lis. Il y a la caméra devant, donc je peux pas te dire que tu as tort. De toute façon, le patient a toujours raison. Le personnel aura toujours tort. Ben oui. On m'a toujours dit. On m'a toujours dit, le client est roi. Voilà. Et d'ailleurs, t'as raison parce qu'on commence à faire. Le client est roi. Il paraît qu'il y a plus de patients qu'il y a de clients maintenant. Tu vois, tu dis des bêtises et tu t'escannes. Allez, repose-toi bien. Ouais. Merci. Je fous pas le bordel. Donc, je suis pas un patient embêtant. On dira donc. C'est qui c'est? C'est le qui est? C'est le dindon. Le gros dindon. Je l'ai reconnu à sa voix. T'es pas un patient embêtant, toi? Tiens, regarde, je viens pour prendre un café, toi tu arrives et tu tousses. Et tu crois que t'es pas chiant, comme patient? Ce matin, on les a remontés. Respire les soins. Il y a encore vu. C'est là. Allez, je te laisse en discussion avec François. Ouais. Merci. Voilà. Je vais partir à un centre de rééducation. Mais bon, comme il n'y a pas beaucoup de place, il me faut attendre qu'une place se libère. Donc, j'attends. Ça fait 2 mois et demi que je suis là. Ça commence à
Enfin, en plus, je suis prêt à partir. J'ai plus rien, j'ai que le pansement, là, c'est presque cicatrisé. Enfin, ça gêne à rien. Donc, ça fera aller. C'est bateau ce que je veux dire, mais je préfère mourir que comme ça. Tout le monde dit ça, mais tout le monde se bat. Non, c'est ça. Ah, mais si. Mais tous les tétraplégiques alors qu'on a eu ici, ils disaient sûrement comme toi avant, et aujourd'hui, ils se battent pour vivre. Par exemple, ne serait-ce que s'asseoir. Quand on est normal, on n'y pense pas. Et quand tu es tétraplégique, tu te rends compte que c'est quelque chose de formidable, que c'est quelque chose. Bon. Mais tu te rends compte tous les gestes de la vie quotidienne. Moi, je pense comme toi, mais je pense que je suis comme tout le monde. Et si je me retrouvais à leur place, je me battrais pour vivre. Parce que j'ai envie de voir ma fille grandir, même si c'est nul d'être sur un fauteuil, de pas pouvoir aller la chercher à l'école, de pas pouvoir faire plein de trucs avec elle, courir dans un parc. Où j'aurais quand même envie de la voir vivre, de la voir grandir. T'as vu la douleur? Ils vivent avec la douleur. Oui. Ils ont appris à vivre avec la douleur. Mais quelque part, ils ont quand même une vie qui leur convient, parce que sinon ils se flingueraient. Qu'est-ce qui leur empêche de prendre leur fauteuil et d'aller se foutre au milieu de la rocade? Quand tu es valide, tu as l'autonomie qui est là et la dépendance qui est quasiment à zéro. Et bien quand tu es tétrate, c'est censé inverser. À partir du moment où tu as la coupe qui s'inverse complètement, oui, mais pour c'est moi, fini quoi. C'est pour fini. Moi, ils repartent, quand ils font le deuil, là, qu'on dit, ouais, ça y est, ils ressuscitent. Les phases, oui, oui, ils font le deuil, ils repartent à zéro. Ils l'occultent la vie qu'ils avaient avant, hein, moi je pensais. Ah, bien sûr qu'ils l'occultent. Tu dois finir par plus savoir ce que c'est que de marcher, que de bouger aussi. Hein. Je veux dire, alors, le peu de résultats que tu as, le peu de trucs que tu fais, tu es content parce que c'est finalement, c'est ta vie à toi. Mais il oublie, rien qu'en sortant d'ici, il doit oublier ce que c'est que de marcher, mais c'est sûr. Hein. C'est la pire des maladies. Il vaut mieux avoir un cancer, il vaut mieux avoir n'importe quoi, et puis tu peux toujours guérir quand t'es tétraplégique. Ils ont l'espoir d'évoluer, ils ont l'espoir de... Non, il faut vivre aussi, avec cette maladie-là. Ils ont aussi espoir qu'un jour la médecine va évoluer et qu'ils marcheront. Le cancer, c'est aussi... Attends, hein, je veux dire, tu passes par les mêmes phases que les tétraplégiques. Ouais. Hein. Moi, j'ai bossé 6 ans avec des cancéreux. Mais tu sais que tu peux peut-être arriver à t'en sortir. Oui, mais enfin, tu as quand même toutes les mêmes phases, la révolte, le deuil, les machins, les trucs. Par contre, tu as des gens en fin de vie, mais qui sont formidables aussi. Ils te donnent envie d'aimer la terre entière. Quoi. Je veux dire, quand tu parles avec eux, ils sont là, c'est eux qui sont malades, qui vont mourir, et c'est eux qui te demandent si ça va, quoi. J'ai un cancer, je me bats, j'ai envie de vivre, je vais vivre plein la neige. Je suis tétra. Une vie comme ça, elle vaut pas le coup mais d'être vécue. Si, elle vaut pas le coup. Quoi. La vie, c'est pas que avoir des super voitures et avoir du fric et sortir en boîte et aller en ville. Et c'est pas que ça, la vie. La vie, c'est marcher. Mais non. La vie, c'est courir. Ça va te paraître fou, mais si on me donne le choix entre ne pas voir mes enfants grandir et les voir grandir en tant que tétraplégique, mon choix est vite fait. Mais bien sûr. Mon choix est fait tout de suite. Hein. Et tu te battrais comme un lion. Là. Mmh. C'est sûr. Bon, on y va, mon gosse. Allez, c'est parti. On va se faire beau. Mais tu pèses, hein, tout mouillé. Avant l'accident? Ouais. Ou après l'accident? Quoi, t'as maigri? Ouais. T'as fondu? Ouais. Avant... 64, 65. C'est pas maxi. Et là, t'es à peine à 50, non? Ouais, je pense. Alors, je lève le chapeau. Je te fais mal, là? Je sens pas. Hein? Tu sens pas. Pas. Là, tu sens? Ouais. Là, oui. Et là? Oui. Oui? L'année dernière, j'ai eu un grave accident de moto. J'ai demandé... C'est moi qui ai demandé à arrêter le trancène. Bien. Tu vois que t'es un battant. Ah, oh, j'étais un battant. Mais tu l'es toujours, hein? Ils m'ont donné le soir. Ouais. Ils m'ont donné le matin. Ouais. Tu vois que t'es un battant, je le savais. C'est bon, t'as un chemin qui va être un peu dur à passer, là. C'est pas toujours facile. Bon, j'ai bien du sang bon. T'embêtes pas? Non. Je fais des acrobaties. En moto. Une grosse cylindrée? 200 CVR. D'accord. C'est pas une mobilette, quoi? Fracture de la clavicule. Et double fracture au vertèbre. Tu viens perdre. D'accord. Et là, tu le sens quand je te le fais? Ah, mais c'est hyper désagréable. La sensation. Je sais pas ce que ça commence à revenir. On a l'impression d'avoir de l'électricité dans les doigts. Surtout au bout des doigts.
Voilà, au bout des doigts. Enfin, voilà. Avant, c'était dans toute la main. Maintenant, ça va jusqu'au... Ouais, surtout le bout des doigts. En fait, c'est les nerfs qui se refont. Bon, je vais aller chercher les copines pour te tourner. Allez. Qu'est-ce que ça me pense? Tu tiens là. Je tiens là. Tu peux le tenir, si tu peux... D'accord. Voilà. Au pire, il perd une oreille, c'est tout. Oui, mais il entendra moins. On remarque, oui, ce serait pas plus mal pour lui, voilà. Il entendra moins. Il y a des bêtises désagréables, celle-là. Ça va? Ça va comme ça? La surveillante, elle a dit qu'on avait utilisé 700 gants de toilette en 4 jours. Donc maintenant, il fallait qu'on fasse avec... Il est resté. 4 gants de toilette. 4 gants de toilette en 700 jours. Voilà. Voilà. Je te fais mal, là? Non, c'est... au niveau de l'épaule, c'est par là que tu as mal? C'est au niveau de l'omoplate? Ouais. Par contre, j'arrive pas à sécher en bas. Mais je suis peut-être pas passée, parce que je suis c'est pas là que je te... partout. C'est l'omoplate, là? Ouais. La prochaine, tu l'avais où? Où tu l'avais, Mathieu? Tu l'as passé sous le rat, là. C'est très bien. Oh, je le crois pas, il m'a dit très bien, il dit... Oh, oh là! T'es sûr? Eh, t'es sûr? T'as juste un peu... juste un peu sur le côté gauche. Faudrait la remonter. La remonter. Voilà. Là, c'est parfait. Eh bien, il va faire un temps magnifique aujourd'hui, je vous le dis. Waouh. Si tu te protèges pas, tu laisses des plumes. Et au début, quand t'arrives, tu sais pas. Donc, souvent, tu t'investis... de façon trop importante, comment dire, dans le relationnel. C'est plus affectif, plus... ça t'apprend à le gérer après. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Comme par exemple avec comment il s'appelle, Mathieu. Au début, moi, j'y allais tout le temps. Enfin, quand j'avais ce type de malade, j'étais disponible à 100%. Comment t'expliquer? Et maintenant, bon, j'ai plus de recul, quoi. J'y vais, mais... je ne satisfais pas toutes ces demandes, comment t'expliquer? Je dis pas oui à tout ce qu'il dit. Avant, tu n'avais pas de notion, de connaissance. Tu disais oui à tout. Et maintenant, par expérience, tu sais qu'il faut leur dire non aussi, que ça les aide à grandir, entre guillemets. Parce que si tu dis oui, tu vas dans son sens et tu le desserres. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Je t'ai pas touché encore, hein? Eh bien, même au fond du mal. Il sait pas ça. C'est bon? Là. Ça va? C'est pas trop sous les épaules? Est-ce que tu es bien là? Oui. Mon biquet, tu es bien là? Oui. Entre nous, on a dû faire l'école du rire. Qui? Elle? Pierrette. Mais elle n'a pas été reçue, je crois. Oh. Non. Je crois qu'elle a manqué l'oral. C'est pas gentil. Merde, alors c'est Jonathan. Merde. La prochaine fois, je te noie là-bas, je te l'ai dit. Hein. T'es merdeux quand même, hein? Non, réaliste. Qu'est-ce que c'est ça? Bien formé. C'est que par deux. Bon, alors je vais te dire, Jonathan. Qu'est-ce que c'est tout ce bazar dans la chambre? Interdiction de mettre des choses. Comment? C'est interdit, ça. Eh bien alors, envoyez-moi à Verdèche. Moi, je veux bien t'envoyer. Alors, à Verdèche, c'est pire que chez nous. C'est encore plus interdit que chez nous. Et dès qu'il y a une place, tu le sais, Jonathan. Ouais, mais bon. Je vais être plus ébloui. Je n'ai plus le cul. T'as raison de le dire. De toute façon, il faut le dire. Non, c'est pas que je suis pas bien ici. Et non, mais t'as envie de passer à autre chose, t'as raison. Non, c'est surtout pour les épaules. Les épaules et les bras. Et oui. Parce que maintenant, quand on me tourne, je tiens pas plus de ça. Ouais. Tellement j'ai mal. Ouais, oui, oui. Donc, Oui, mais je te l'ai dit, pour l'instant, il n'y a pas de place. Tu sois patient, tu perds pas quand même du temps parce que tu as quand même le kiné ici. Ne pense pas qu'en allant à Verdèche, tu vas faire 8 heures de rééducation par jour. C'est le dindon. Gros dindon. Ah, celle-là, elle est bonne. Gros dindon, je la connaissais pas. Moi, non, hein, tu m'appelles pas comme ça. Hein. T'as déjà vu une souriante avec les fesses dans le lit? Non. Ce matin que je suis arrivée, elle n'avait pas trop le sourire. Et puis après, on plaisante avec lui, après ça va. Hein. Et je lui dis, moi, des fois, je lui dis, oh, tu vas pas faire la gueule hein, en arrivant. Hein. Alors tu vas sourire, hein. Et puis après, ça va pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand même, il aurait la larme facile. Hein. Il en a assez. Il voit pas le jour arriver du départ. Et il a pas de nouvelles en plus. C'est vrai qu'il en a un peu assez.
Mais qu'est-ce qu'il est bavard. Un moulin à parole, je disais. Depuis qu'il peut, alors ça, il va. Il parle de tout. Hier, c'était les champignons. Aujourd'hui, c'était le rugby. Ah ouais. Dès qu'il peut, hein. Dès qu'on le branche, ça y est, il s'arrête plus. Même des fois, on n'arrive pas à repartir de chez lui. Tellement qu'il parle, il parle. Mais ça nous fait du bien. Moi, tu dis que je suis gentille, hein. Fais attention, je vois. C'est pas... Oui, vous allez finir à la douche. Fais gaffe, toi. Non, mais moi, c'est surtout au niveau du cou que j'aimerais travailler. Pourquoi? Parce que t'as mal, quoi? Ah oui. Au niveau des épaules. Des épaules, mais de la colonne. Des muscles juste à côté de la colonne. On va se débrouiller pour t'aider à reconstruire tout ça. Hein? Donc, allez, j'appelle Jean, qui vient te revoir pour ton installation. On va se battre pour Verdèche. S'il veut, ouais. Ouais, je l'appelle. À bientôt. Allez, tout à l'heure. T'inquiète pas, je n'ai pas oublié, je les appelle. Jean. Il y a une TP, c'est l'autre à Chine. C'est vrai. Les portes, c'est pas les rideaux. Et après, gueule. Parce que ferme pas les portes. Et c'est pas ça. Et ferme pas la porte. Je vous regarde franchement. Elle a dit qu'elle gueulait parce qu'on ne fermait pas les portes. Filme. Regarde. C'est la dernière qui est sortie. Est-ce que la porte est fermée? Non. À la manne. Carton rouge là. C'est pas le jaune, hein. C'est le rouge. Aïe, aïe. Qu'une vie de dingue. Vivement qu'elle se casse. Chef, il veut vous voir en 2 minutes. Vous êtes sorti la dernière. Et j'ai pas fermé la porte. La porte est restée ouverte. T'as raison. Carte rouge. Non, je suis pas sorti la dernière. Je te signale qu'il y avait le caméraman avec toi. Et oui. Mais... Et il allait partir. Et non, puisqu'il me filmait. Il allait partir. Je savais bien qu'il allait me suivre. Ah, non, alors, mea culpa, c'est ma faute. Et tu as raison de me le dire. Carte rouge. Moi, voilà. Ce que je dis, douche froide. Oh non. Moi, je crains l'eau froide. Moi aussi, mais douche froide. Non, ne leur donne pas cette idée, Jonathan. Ah si. C'était bien là, toi. Oui. C'est quand même poisonnant, hein. Ouais, mais là, c'est bon. Il y en avait? Bah oui, le shampoing. Ah, mais le shampoing, oui, je t'ai dit hier. Tu m'as dit que c'était le Tahiti ou Chuké. Mais il y en a. Ah. T'énerve pas, hein. Oh, le général. Héros. Jean. Je lui dis à Mme Marillet qu'il veut la voir, Jonathan. Je veux pas être mouillé aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as, Jonathan? Je viens te voir. Ah, c'est que tu m'as mis. Dans le compte de la porte. Alors, Jonathan. Ah, le chameau! Carton rouge. Ah, ah oui! Voilà. Oh, il a surveillante la culotte dans le couloir. Il a été gentil, hein, il a pas. Elle est inculante, la surveillante. À un moment donné, il fallait choisir dans la caméra. J'ai été franc, j'ai dit qu'il y aurait une sanction. Bon, étant handicapé un peu, la sanction. Fallait qu'on m'aide. On m'a aidé. C'est tout. Ce n'est que chose promise. N'est-ce pas ?